La ville, ça se construit, sans fin. Ça s'enfuit vers les plaines et se cache derrière les mains de ceux qui se lèvent tôt. La ville attire tous les regards. Elle se fait belle pour le paraître. Elle est le point de non-retour au naturel. Elle est l'essence même de l'homme et de toutes ses peurs. La ville, c'est comme un virus, ça produit de la distanciation sociale. Il y a des matins où je marche à tue-tête, les yeux grands ouverts, I see. Tout a un prix. Mon regard, l'or, la merde. Je marche sans savoir où je vais, ou plutôt sans savoir où j'arriverai, car je me demande s'il y a une fin quand même. Je marche, rêveur. Je me demande s'il existe encore un monde sans le bruit de moteur, où je ne suis pas le plus grand des prédateurs. Elle nous tient, cette ville. Elle nous dit quoi faire, où aller et qu'il faut commander. Commander ? Quelle idée ? On peut commander une pizza ou une télé, mais un peuple, ça ne se commande pas. C'est vivant. On ne commande pas la vie, elle arrive et part comme un train. Pourtant un train, ça se commande, voilà la différence. Une machine, ça se commande. Mais alors ça veut dire qu'on est des robots? Et un robot, ça a peur de la mort? Non, ça a peur du bug. Un jour viendra mon train. La ville, ça colonise, ça attaque avec des trams tacules, puis ça pond des bébés arrêts de trams, et il y a tous les leftos qui viennent construire de l'inégalité pour des robots sans train. Je marche sans savoir ce que je fais. Ça me rappelle mon enfance. Je pensais qu'on ne pouvait gaspiller que du temps. Je m'amusais à faire parler les objets. Un objet, ça parle. Un objet, ça me parle. Je divague. Quelle chaleur. La ville, ça chauffe. Je déteste la clim. Si j'ai besoin d'air, je vais marcher. Je déteste les néons. Par contre, j'aime bien les poteaux électriques. On dirait des géants. La ville est malade et on ne peut pas la soigner parce que la ville génère sa propre maladie. On ne soigne pas un écosystème, il fonctionne, ça tourne, c'est tout. Alors, on finit la ville. Donc c'était le moment de, peut-être de réfléchir autrement, tu vois. Mais pour l'instant, les gens veulent retrouver le temps d'avant et ça c'est impossible, ça marche plus. C'est pas de retour à la normale. Non, il n'y a pas de normale. Et justement, ça ne coûte rien. Oubliez tous les vestes, on oublie tout, on répartit toutes les richesses pour que personne n'en manque et on y va. Tout le monde a une maison, tout le monde a la santé, un système de santé. Tout le monde a le droit à l'éducation, tout le monde, pour tout le monde, ça. Arrêtons de maltraiter les vieux, aussi. Ouais. Ouais, voilà, un aspect positif de ce virus, c'est que quand même, ça a quand même plutôt touché les pays qui étaient plus riches, quoi. Voilà. Parce que le virus, c'est un agent policier, en fait, dans la nature. Mais les virus, ils sont partout. Ouais. Les virus, et alors? Je pense que c'est les gens qui sont. Ils sont utilisés, ça, pour. C'est les bons prétextes. C'est le virus, cette contamination. C'est les bons prétextes pour le gouvernement, parce que ça tourne tout court. Il faut les recéter tout, faire un recétage. Donc, ils nous tiennent bien à la maison, on confine. Ouais, c'est parfait pour ne rien changer au système. Voilà.
Non, mais c'est le moment parfait pour... En fait, c'est un vrai tournant, parce que c'est un moment parfait pour changer radicalement la société, mais dans le sens encore pire qu'avant, ou mieux, quoi. Voilà, on est dans un tournant, ouais. Et on est dans une vraie révolution. Mais je vais l'arracher. Pourquoi? Parce que il y a une forte chance que c'est genre un virus. Et ça s'étale, les virus. Surtout parce qu'on travaille ici, puis on bouge, on travaille ici, et on étale sur les mains. Pareil. Comme le virus, là. On a tout un spectre large, mais on sait. Sincèrement, moi, là, on se disait. J'achète mes légumes à monsieur Jeannot à 7, c'est produit, il ne s'affiche pas bio, mais dans sa pratique, il l'est. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est... Il y a des gens qui pensent que le bio, ça ne veut pas de pesticides, il y a des gens qui pensent que... Voilà, mais tous les légumes, c'est des produits chimiques. Ouais. Les vignes ici sont traitées en anglaise. Ah oui, c'est pas chimique. Mais après, c'est considéré comme naturel. Les vins, ils sont de sulfite, ils sont... Il y a des gens qui aiment travailler comme ça. Personnellement, ça m'a fait mal au genou, mais il y a des gens qui travaillent comme ça. Il faut juste faire attention à la rangée derrière. Voilà. Mais si tu as un équilibre, si tu as tous les rapaces jusqu'aux petits insectes, tu vas toujours avoir des insectes nuisibles comme ça, mais pas des nuages ni des nuages en fait. Donc tu perds un peu, mais beaucoup, beaucoup moins. Et quand il y a un problème, quand il y a une population de quelque chose qui explose, c'est vite réglé en fait. Oh, okay. Donc si tu es dans un bon équilibre et tu vois beaucoup de pucerons un jour, le lendemain, tu vas voir des coccinelles. Vraiment le lendemain. Yo. Dear people, we are in the impossibility to come back in a normal world. I show you to move your beautiful ass against the fucking asshole of the nonsense of fire. Life is precious. Love is delicious. Future is anonymous.